Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 mai 2020. Et je suis parti donc sur les hauteurs de Hebbe. Et je vous emmène jusqu'à un point de vue qui s'appelle le point de vue de la roche à Fépin. On ne dit pas de Fépin, on dit à Fépin, la roche à Fépin. Donc vous verrez, c'est un joli point de vue. Là, on peut voir le village de Hebbe, hein, où j'ai résidé longtemps, d'ailleurs, avec une belle boucle de Meuse et puis le pont, hein, qui surplombe la Meuse, là-bas, tout au fond. Hein. Donc Fépin et son barrage, donc ce ne sont plus, hein, comme je l'ai déjà dit, des barrages à aiguilles. Maintenant, c'est des barrages qui sont automatiques. Hein. Et puis, vous voyez les boucles qui s'en vont là-bas, là, vers Vireux et Givet, tout au fond. Hein. Et bien voilà, j'étais tout en haut, alors là, bah, c'est un observatoire pour le gibier, hein. Soit les photos, soit la chasse. Nous voici véritablement au second point de vue de la roche à Fépin, qui est beaucoup plus haut, il est à 335 mètres. Hein. Alors là, on a une vue magnifique. Alors voici ce fameux point de vue, hein, de la roche à Fépin. Vous voyez que la Meuse là, en contrebas, c'est très rocailleux, donc très haut, hein, comme vous venez de voir. Hein. C'est une pure merveille. On l'a mérité, cette petite pause là. Petite pause d'habitude. Hein. Vitamine. J'ai bu un bon coup là. Et puis voilà, maintenant un bon citron. Là, c'était encore une bien belle balade, ça. Hein, alors je suis monté sur le hauteur de Hebbe là, en passant derrière mon après. Premier plateau, premier point de vue. Ensuite, ça remontait. Pour aller au point de vue de la roche à Fépin. Donc la belle hauteur, hein. Vous avez vu. Magnifique vue. Sur la vallée de la Meuse. Là, je redescends maintenant. Logiquement, à côté de Château du Ridou, hein. Je vais prendre un petit bout de voie verte pour aller rejoindre mon repère.